Je ne serai pas très long parce que vraiment ce serait nécessairement trop long. D'abord pour vous remercier toutes et tous d'avoir assisté pour certains d'entre vous tout au long de la journée à ce colloque consacré à l'auto-entrepreneur. J'en profite d'ailleurs pour remercier aussi les internautes qui nous ont suivis puisque nous étions retransmis en direct sur le net. Malheureusement, je ne pourrais pas convier les internautes au verre de l'amitié. Nous penserons à eux dans quelques minutes. On ne peut pas tout faire sur Internet. On ne peut pas, en tout cas, trinquer, sinon de façon très virtuelle. Je voulais vous dire en conclusion que ce colloque a été organisé par la Fondation pour l'innovation politique, ce que vous savez. Donc nous nous sommes intéressés à ce phénomène qu'est l'auto-entrepreneur. Nous ne sommes pas les acteurs de cette réforme. Nous l'observons, nous l'avons vu surgir. Nous avons vu cette réforme arriver comme ça, de façon un petit peu... très discrète, au fond. On n'a pas vu venir ce phénomène dont la puissance a été soulignée aujourd'hui. Il y a deux éléments, au fond, qui me semblent justifier que la Fondation pour l'innovation politique puisse s'intéresser à l'auto-entrepreneur. C'est d'une part l'idée elle-même, et c'est une idée dont je trouve tout le génie est d'être apparemment simple. Et je crois que pour arriver à tant de simplicité, il faut beaucoup d'idées, en réalité, beaucoup d'ingéniosité, évidemment. Et donc c'est de ce point de vue-là une idée politique qui nous est apparue comme singulièrement intéressante. Comment fabriquer, à force de débats législatifs, de discussions réglementaires, de forces politiques, parce qu'évidemment, il faut une volonté politique pour faire passer une idée du concept à la réalité, comment fabriquer une telle idée. Et puis, deuxième élément qui est tout de même extraordinairement probant, c'est l'appropriation par les Français. C'est une façon de mesurer, je dirais, très objective, en quelque sorte. Ça n'est pas un statut obligatoire, ça n'est pas un statut exclusif. On peut être auto-entrepreneur, on l'a dit toute la journée, hein, si on le veut, mais on peut ne pas l'être. Enfin, il n'y a aucune difficulté à cela. Pour qui veut l'être, il n'y a pas, alors sauf quelques bugs qui ont été soulignés et jusqu'à maintenant... il n'y a pas de coût particulier, donc ça n'est pas obligatoire, c'est gratuit, ça n'est pas exclusif d'un autre statut ou d'une autre fonction. Et dans ce contexte aussi peu contraignant, au fond, nous aurions pu avoir comme réponse le silence. C'est très peu incitatif, je dirais, si on décrit... la réforme ainsi. Il n'y a pas d'éléments contraignants, il n'y a pas d'avantages fiscaux ou d'incitations particulières. Ça n'est pas une niche fiscale, par exemple. C'est pas un creux, c'est une bosse, d'ailleurs. On l'a vu ce matin, puisque ça contribue pour partie à abonder la solidarité de la société. Et lorsque, face à une telle réforme, il y a une telle réponse... Et on ne mégotera pas sur les chiffres. Plus de 500 000 à coup sûr, et c'est 1 000 par jour. 1 000 par jour. Eh bien, cela signifie clairement que cette idée était aussi dans la tête de beaucoup de Français, qu'elle correspondait à une attente. Cela aussi, nous l'avons dit. Mais c'est quelque chose qui me paraît plus singulier que peut-être nous avons eu le temps de le dire. Parce qu'en quelque sorte, c'est comme si la société elle-même était déjà porteuse d'une idée que les politiques n'avaient pas eue. Ou qu'ils n'avaient pas pu défendre. Comme si la société était par elle-même en avance sur les politiques, sur l'État, sur un gouvernement, jusqu'à ce que cette réforme, pour prendre cet exemple précis encore une fois, par sa propagation rapide, montre à quel point elle correspondait à une attente. Et pour nous, pour la Fondation pour l'innovation politique, nous qui nous intéressons aux innovations selon nous nécessaires. Par exemple, nous avons porté jusqu'à présent avec force, et nous portons avec force, l'idée, c'est d'ailleurs de la Fondation que cela vient, l'idée d'une contrainte constitutionnelle pour limiter les déficits budgétaires publics.
Donc c'est une idée politique que nous avons proposée sous la forme d'une note rédigée par Jacques Delplat, disponible gratuitement sur le site de la Fondation, fondapol.org. Et cette note a inspiré la proposition du chef de l'État qui a proposé de faire entrer cette contrainte dans la Constitution. Voilà une idée que l'on essaie de rendre opérationnelle. Voilà une idée politique que l'on considère innovante. Mais c'est une proposition. Là, le statut d'auto-entrepreneur, c'est une idée réalisée, une idée innovante, réalisée et qui rencontre le suffrage des Français. Et donc, il était pour nous absolument essentiel de consacrer une journée à ce phénomène de l'auto-entrepreneur. Nous l'avons fait. Nous ne pouvions pas ne pas le faire. C'est sans doute, en tout cas, il me semble que c'est pour la période 2007 jusqu'à aujourd'hui, c'est sans aucun doute la réforme la plus innovante et celle qui a, alors là, à coup sûr et depuis fort longtemps, suscité le plus grand engouement de la part des Français. Alors, il y a des hostilités. Elles ont été évoquées. Il y a d'opposition ici ou là. Il y a aussi des difficultés. Elles ont été évoquées encore aujourd'hui et même à l'instant, enfin il y a quelques minutes. Tout ceci me paraît plus que normal, mais même très sain, et sans doute révèle que le statut de l'auto-entrepreneur arrive quand même avec une forme d'étrangeté dans un paysage qui ne l'attendait pas. Cela a été évoqué aussi aujourd'hui. Un paysage plutôt dominé par une norme qui vaut pour tous, une norme qui est plutôt pensée par des personnes très compétentes qui pensent pour nous, qui ont l'idée que la même norme peut faire entrer toutes les vies malgré leurs différences, malgré l'extraordinaire singularité de nos existences aujourd'hui. Et donc, nécessairement, une réforme comme celle-là, l'auto-entrepreneur, eh bien, va vivre comme elle vit aujourd'hui, en faisant grincer ce système très normatif, hein, très descendant, et en quelque sorte très condescendant, je dirais. Donc un frottement, une hostilité bien prévisible, et encore, je trouve, moi, finalement, très modérée, sans doute en raison de ce succès évoqué aujourd'hui. Et puis pour les éléments de perturbation, les dysfonctionnements, là aussi, c'est faire entrer un nouveau système, un nouveau dispositif dans un univers juridique, fiscal, qui ne s'y prête pas, évidemment, pas aisément, et donc des points techniques ici ou là à surmonter, des difficultés très particulières à régler, mais on voit bien que sur le fond, c'est une affaire entendue. Les Français se sont reconnus dans ce statut et ils répondent par la création d'activités économiques. Je voudrais, pour terminer, évoquer le contexte dans lequel cette réforme voit le jour et rencontre un tel succès. Le contexte, c'est, je crois, certainement cette nouvelle, je serai très rapide, ce sont des choses que vous savez parfaitement et qui sont souvent évoquées, mais qui jouent ici, me semble-t-il, c'est cette nouvelle société dans laquelle nous sommes entrés, un peu malgré nous, sans l'avoir vraiment compris et pas vraiment voulu non plus, que l'on dit globalisé, un nouveau capitalisme. On voit bien que le monde entier s'est converti au marché avec une fébrilité qui peut nous inquiéter, qui est parfois inquiétante, mais enfin, c'est à coup sûr le sens de l'histoire. Tout ceci nous affecte de manière négative comme de manière positive et appelle une espèce de révolution culturelle qui est à l'œuvre sans doute depuis des années, peut-être 10, 15 ans, je ne sais pas. On fera l'histoire de tout cela et on le reverra avec plus de clarté dans quelques temps avec un peu de recul. Mais je suis frappé de voir comment le succès de l'auto-entrepreneur est en écho, en résonance, je le disais tout à l'heure, avec le monde du web, avec la culture du web, avec aussi cette affirmation de soi qui est parfois confondue avec un individualisme forcené qui nous inquiéterait. J'ai vu passer des remarques via Twitter sur ce sujet-là, cette question-là, comme si l'auto-entrepreneur était une forme d'isolement, comme si l'auto-entrepreneur était la marque à son tour d'une société où chacun se replie sur lui-même. Moi, j'y vois exactement le contraire, hein, où l'on s'engage dans la création
en tout cas la possibilité du contraire. On s'engage dans la création, la relation avec l'autre, la prestation de service, enfin, quoi de plus social qu'une telle activité. Rien là-dedans ne n'isole, tout au contraire vous rattache aux autres, à l'autre, et puis surtout vous permet de déployer votre propre projet de vie. Et dans cette espèce de nouveau contexte où il y a la globalisation, où il y a le web, il y a aussi cette culture de la reconnaissance que l'on sent tous très bien et qui est plus que légitime, qui est nécessaire. De plus en plus d'individus souhaitent être reconnus pour ce qu'ils sont, pour leurs compétences, et souhaitent que le succès d'une entreprise soit leur succès, et qu'à la rétribution économique corresponde une rétribution psychologique et symbolique et sociale. Là aussi, c'est le signe même que ça n'est pas un repli sur soi, mais au contraire, reconnaissez mes talents, reconnaissez ma compétence, reconnaissez mon utilité, je vous le prouve par l'auto-entreprise, notamment, bien sûr, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, là aussi, je crois, une transformation assez profonde qui s'est emparée de notre société, pas seulement de la France, évidemment, vous le savez, du monde entier. Mais c'est vrai qu'en Europe et en France en particulier, cela nous heurte un peu plus, à la fois parce que nous sommes un pays démographiquement vieillissant, mais aussi parce que nous avons, et là c'est vraiment en France, une passion pour l'État qui nous fait imaginer, une vraie passion pour l'État, hein, qui nous fait imaginer que si l'État est un peu moins présent, nous sommes perdus, ou si un chômeur est auto-entrepreneur, il y a régression par rapport à un chômeur qui n'est pas auto-entrepreneur. Chose qui, effectivement, on l'a dit ce matin, serait une aberration à penser. On ne pense pas ainsi. Moi, j'ai envie de dire, alors c'est un tout petit peu, je ne sais pas si c'est iconoclaste ou pas, mais pour moi, l'auto-entrepreneur, enfin, les 35 ou 30% d'auto-entrepreneurs qui sont chômeurs, pour moi, c'est du RSA réussi. C'est du RSA qui marche. Et c'est du RSA qui ne coûte pas, qui ne coûte rien, puisqu'il y a, au contraire, même une création de richesse. Et donc, sans imaginer que l'auto-entrepreneur puisse devenir la réponse à toutes les questions qui se posent, ni la solution à tous les problèmes que nous rencontrons, c'est une contribution utile pour à la fois surmonter nos difficultés, mais aussi, au-delà de ces difficultés, continuer à déployer notre projet de société, nos vies si différentes aujourd'hui, si différentes les uns des autres, et en même temps qui conservent leur sens dans la communauté que nous formons. Et je dirais que ce statut vient à un moment où, comme par hasard, les finances publiques sont en grande difficulté. Et j'entends comme vous, parce qu'on ne peut pas ne pas l'entendre, et d'ailleurs c'est une musique, une chanson européenne, peut-être planétaire d'ailleurs, mais en tout cas aujourd'hui c'est plus européen et français, qu'il faut apprendre à dépenser beaucoup moins d'argent public. Ça c'est certain, puisque nous avons 150 milliards d'euros de déficit annuel. Donc, il est clair que c'est un excès auquel il faudra mettre un terme. Mais si l'on vous dit, ou si l'on nous dit, il faudra faire des économies, bon, on peut l'entendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Non. Il y a un moment où on ne peut pas simplement dire il faut faire des économies. Il y a un moment où il faut dire quelque chose qui est une forme de vérité. Nous ne pouvons plus vivre comme nous avons vécu. Il faut imaginer autrement le vivre ensemble. Ça ne signifie pas régression, ça signifie redéploiement, réorganisation, penser différemment, penser avec un paradigme différent pour continuer, mais différemment. L'économie n'est pas un programme. Je veux dire, l'économie de la dépense n'est pas un programme. C'est un discours, un pis-aller, c'est pour faire face à une urgence. C'est un moment, mais ça n'est pas durable. Et dans ce nouveau paradigme, il y a, me semble-t-il, cette idée qui a probablement inspiré l'auto-entrepreneur, cette idée que la société est pleine de force, pleine de capacités, beaucoup plus qu'on ne nous le dit, au point parfois d'infantiliser une société tout entière, de lui faire perdre la confiance qu'elle doit avoir en elle, comme nous l'avons également vu à de nombreuses reprises aujourd'hui, et antérieurement dans les enquêtes d'opinion, et qu'au fond, c'est parce qu'il y a, je dirais, une pensée, un concept, une idée forte derrière
cette réforme de l'auto-entrepreneur qu'elle a pu réussir. Je crois qu'il y a une claire compréhension de ce qu'est devenue la société française et en même temps de ce dont elle a besoin.